Hola, abonito. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, un tag. Donc c'est le tag des 100 questions que personne ne pose, étant donné qu'il y a 100 questions, que ça risque d'être long. On va commencer tout de suite. Donc, question numéro 1. Tu dors avec la porte de la chambre ouverte ou fermée? Ça dépend. Si je suis toute seule, je dors avec la porte ouverte. S'il y a quelqu'un chez moi, je dors avec la porte fermée. Voilà. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Oui, à chaque fois. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment? Pas du tout. Même généralement je fais mon lit au moment où je change les draps. Et étant donné que quand je dors, la couette part dans tous les sens, je m'enroule dedans. Je ne refais jamais mon lit le soir, je me mets dedans, voilà. Je m'enroule un peu. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non, je vois pas l'intérêt de le faire. Je vois pas ce que j'aurais fait du panneau, donc non. Utilises-tu des post-it? Oui, tout le temps. J'en colle partout, voilà, chez moi pour me rappeler des trucs, les rendez-vous. Des fois, sur les frigos à la cuisine pour rappeler des trucs à mes parents. Et sinon, quand je suis à Londres, pour voir mon copain, quand je pars, je colle un peu des post-it partout avec, voilà, des petites notes bien sympathiques jusqu'à ce que je revienne. Découpes-tu les bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Je l'ai fait tout un moment, donc du coup, je ne le fais plus. J'essaye en revanche de garder certaines fois quand je reçois de la part de certains magasins des bons de réduction, voilà. J'essaye de les prendre avec moi, mais la plupart du temps j'oublie et je les prends quand ils sont périmés. Donc ça ne sert strictement à rien. Tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Je dirais un ours puisque j'ai peur des abeilles. Je me suis jamais fait piquer dans du bois. Je me suis pas encore fait piquer, mais j'ai peur. Quand je vois une abeille, je pars en courant et en hurlant comme une possédée mentale. Donc je préférerais me faire attaquer par un ours, très honnêtement. As-tu des taches de rousseur? Non, voilà. Souris-tu sur toutes les photos? Non. J'essaye maintenant de sourire. Généralement, j'avais un sourire de constipé qui faisait que j'avais style un double menton et une gueule déformée. J'essaye, voilà, de sourire sur toutes les photos, mais généralement pas puisque je suis une personne qui tire souvent la gueule. Et du coup, même en photo, bah, je tire la gueule souvent. J'essaye de sourire, je fais des progrès. J'essaye de m'améliorer. Quel a été ton plus gros caprice? Je sais pas. Comptes-tu les marches quand tu montes? Oui, à chaque fois, parce que voilà, je sais le nombre de marches qu'il y a chez moi, donc je compte pour éviter de me planter. Et chez les gens, généralement, je compte les marches. Souvent, si c'est un nombre impair, ça me met très mal à l'aise. Voilà, j'ai des tocs. Bonjour. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Oui. Et la grosse commission? Non. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oui. Oui, parce que j'ai toujours de la musique dans ma tête. Donc généralement, voilà, je vais être assis, je vais avoir une musique en tête et je vais me mettre à danser alors que, bah, qu'extérieurement, il n'y a pas de musique. Donc j'ai l'air plus conne qu'autre chose. M'achètes-tu le bout de tes stylos et de tes crayons? Non. Ça m'a toujours dégoûté en fait. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Que mon copain. Quelle taille fait ton lit? C'est 1m40, je pense. 1m40, pas 40. Quelle est ta chanson de la semaine? J'en ai pas qu'une, donc c'est délicat, mais je dirais que ma chanson de cette semaine, c'est Cry Baby de Demi Lovato, et c'est ma chanson du mois, ce sera peut-être ma chanson de l'année, puisque depuis que l'album est sorti, j'écoute cette chanson en boucle, je la chante tout le temps. Est-ce que c'est ok de porter du rose? Bah oui, pourquoi pas. Et puis, comme dirait le groupe Madame Kay de ma jeunesse, tout le monde portait du rose, et les garçons portent du rose quand ils n'ont rien à cacher. Voilà. J'avais envie de reprendre le vieux groupe, je trouvais ça cool. Regardes-tu encore des dessins animés? Bah bien sûr, il n'y a pas d'âge pour regarder les dessins animés. Dès qu'il y a un nouveau Disney, Pixar, peu importe qui sort, je le regarde. Si je veux aller voir au cinéma, j'y vais. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Il me semble que le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Mother. Et je ne sais pas si j'ai aimé ce film ou pas de toute façon. J'en ai pas compris grand chose. Mais le dernier film que j'ai vu et que j'ai aimé, je suis pas très film, je suis plus série. Donc je ne sais pas. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Dans le fond de mon jardin, je creuserai un trou. Que bois-tu en mangeant de l'eau ou de l'eau pétillante? Généralement de l'eau pétillante. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? De la mayonnaise? Je mange tout avec de la mayonnaise, soyons clairs là-dessus. Ouais, tout, 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 tout. Quel est ton plat préféré? Les lasagnes de ma grand-mère, sans hésitation. Il y a que ça. Il y a quelqu'un qui sait faire les lasagnes de toute façon pour moi. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Il y en a plusieurs. Je dirais Baywatch parce que je l'ai vu plein de fois et que j'adore. Et sinon, Rebelle, voilà. La dernière personne que tu as embrassée? Ben, mon copain. As-tu fait les scouts? Non, je n'ai jamais fait tout ce qui est scouts, pas trop aller en colonie de vacances ou autre. Je n'ai jamais fait ça. Poserais-tu dénudée pour des magazines? Ça dépend. Après, ça dépend comment la photo rend. Si ça rend vulgaire, non. Si c'est dans un cadre où ça peut rendre joli et avoir un côté artistique, pourquoi pas. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? J'écris tout le temps, donc après une lettre, je ne sais pas. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, étant donné que j'ai mon permis, oui, je ne demande pas à chaque fois que quelqu'un mette l'essence pour moi, je le fais toute seule. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non, jamais. J'ai mon permis depuis 6 ans, enfin presque 6 ans. Et je n'ai jamais eu aucun PV, jamais. Que ce soit pour excès de vitesse ou autre, je n'ai jamais rien eu. Et pourtant, je ne roule pas lentement. J'ai de la chance.
tomber en panne d'essence de voiture. Non, jamais, puisque je suis quelqu'un, malgré que je connais ma voiture, qui est très vite paniqué. Du coup, dès que je vois qu'il reste 2 barres de jauge d'essence, ou dès que ça commence à clignoter, malgré que je sais que dès que ça commence à blic, 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 je peux faire encore 100 km, je mets de l'essence directe. Ça me stresse, ça me rend nerveuse. Ton sandwich préféré, je pense que c'est, je dirais le brie. Brie et noix, le chez-point chaud. La meilleure chose au petit déjeuner, un bol de Coco Pops. Bien évidemment, avec du lait de noix de cajou, ou du lait de noisette, ou du lait d'amande, ou du lait de riz. Je ne bois jamais de lait de vache, je n'aime pas ça, ça me dégoûte. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Ça varie extrêmement fort, puisqu'il y a des fois où à 21h30 je peux être endormie, comme des fois à 2h du matin je suis encore éveillée. Donc ça dépend un peu de l'activité que j'ai pendant la journée, de comment je me sens, de si je suis fatiguée, de si je dois me lever très très tôt ou pas. Es-tu fainéante? Oui, je suis une fainéante née et exagérée. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Je ne fêtais pas Halloween petite, on le fêtait à l'école. Et généralement on avait un sac poubelle avec des dessins collés dessus. Donc j'étais jamais vraiment déguisée. Quel est ton signe astrologique chinois? Je suis cheval. Oui, licorne. Es-tu abonné à un magazine? Non, je sais une question. Combien de langues peux-tu parler? Le français, l'anglais et un peu de grec étant donné que je suis grec. Donc voilà, je sais commander à boire, à manger, mon chemin et insulter les gens, très important. Plutôt Lego ou domino? Si je devais choisir, je jouerais au domino. Les Lego, j'ai jamais trouvé ça intéressant. Es-tu têtu? Vachement. Soit j'ai raison, soit tu as tort. Si j'ai un point de vue, je vais rester bloquée dessus et c'est voilà. Je suis têtu, c'est comme ça et pas autrement. Comme dirait ma mère, si j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas dans le cul. Voilà. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Akima Darmouche. Voilà. Je suis belge, donc je m'en balègue de Claire Chazal et Jean-Pierre Pernaut. Moi, je dis Akima Darmouche. Voilà. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Bien sûr. Donc, as-tu peur du vide? Non, pas vraiment. Voilà, puisque dans ma bucket list, il y a faire un saut en parachute et un saut élastique au-dessus du Grand Canyon. Donc, je dirais que non, je n'ai pas peur du vide. Chantes-tu dans la voiture? Oui, tout le temps. Chantes-tu sous la douche? Bien sûr. C'est sous la douche, je suis Beyoncé, les gars. La douche, c'est ma scène, voilà, c'est Bercy. Danses-tu dans la voiture tout le temps? Voilà, je fais un petit clin d'œil à une de mes amies à qui j'ai envie de dire, voilà, ce petit mouvement d'épaule, je le fais souvent dans la voiture. Voilà, c'est oui, je danse, je vais faire aller mes bras, des trucs, en conduisant, hein, bien sûr. Ne faites pas ça. Ne dansez pas en conduisant, c'est dangereux. Restez concentré sur la route. Utilisez un pistolet. Un vrai non. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe? Alors, c'était lorsque j'ai signé pour mon étoile sur le Hollywood Boulevard. Non, je rigole. Jamais. Généralement, je me photographie moi-même ou c'est des copines ou mon copain ou ma mère, peu importe, bref. Aimes-tu les comédies musicales? Oui. Puisque la première fois que j'ai vu un concert ou un truc du style, c'était une comédie musicale. C'était Notre-Dame de Paris. Noël est-il stressant pour toi? Non, parce que j'aime Noël. Voilà, pour moi depuis le 1er novembre, c'est Noël les amis, c'est Noël. Halloween est terminé, c'est Noël. Noël c'est ma vie, j'aime ça, les lumières, les décos. Je ne suis pas stressée. Je pense que je fais chier tout le monde, voilà, tellement j'aime Noël. Mais moi ça me stresse pas, j'aime ça, j'adore, c'est ma vie. As-tu déjà mangé Pierogi? Je ne sais pas ce que c'est, donc je vais regarder. Non, en fait je m'en fous, je vais pas regarder, je sais pas ce que c'est, donc voilà. Ta tarte aux fruits préférée? Tarte aux pommes, voilà. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais faire avocate. Crois-tu aux esprits? Oui, tout à fait. Puisque, chose vraie, c'est pas une blague, j'ai eu la visite d'un esprit assez souvent dans cette pièce, voilà, où je suis aujourd'hui. Il n'est pas là, il est parti. Mais oui, voilà. As-tu des impressions de déjà vu? Je pense que oui, ça m'arrive comme tout le monde. Prends-tu des vitamines? Oui, je prends des vitamines, des Sugar Beer Air. Désolée pour mon accent de merde, j'ai pas envie de faire d'efforts. C'est des vitamines pour les cheveux et pour les ongles, voilà. Portes-tu des pantoufles? J'en ai des tonnes, mais je ne les porte pas vraiment puisque j'aime passer ma vie pieds nus. Voilà, même les chaussettes, ça me saoule. Donc, j'en ai quand il fait vraiment très très froid, voilà. Je les mets parce que j'ai vraiment trop froid. Mais sinon, non, je ne les porte pas. Un peignoir, j'en ai un. Enfin, c'est pas le mien, c'est un de mes parents, je pense. Et je le porte juste des fois, voilà, quand je sors de la douche et que j'ai pas envie de mettre en pyjama, de m'habiller tout de suite, je m'emballe juste dans le peignoir et je me refous dans mon lit. Que portes-tu pour dormir? Tout dépend. En hiver, c'est vraiment, voilà, le pyjama en pilou ou en laine, voilà, les gros pyjamas d'hiver. Et en été, ce sera directement un short avec un petit haut, peu importe. Ton premier album reçu, c'était l'album de Pascal Obispo avec Tomber pour elle. Voilà, je ne sais plus le titre de cet album, mais voilà, c'est le premier que j'ai reçu. Carrefour, Deleuze ou Lidl? Carrefour, bien sûr. Nike ou Adidas? J'aime bien les deux, voilà.
J'y suis plus Adidas que Nike quand même. Hamburger ou frites? Les deux, hamburger sans frites, ça n'a pas de sens. Enfin, pourquoi? Non, les deux vont ensemble, ça va de pair. Hamburger sans frites, ce n'est pas possible. C'est comme c'est comme Selena Gomez sans Justin Bieber, voilà. Ils se retrouvent toujours. Hamburger et frites, c'est pareil. Chant de tournesol ou de coquelicot? De tournesol, je trouve ça juste magnifique, les chants de tournesol. Je trouve ça trop beau. Et j'aimerais trop pouvoir trouver un beau chant de tournesol pour faire plein de photos. Voilà, je trouve ça magnifique. Je cherche partout sur internet, mais bon, il fait un peu froid pour le moment. Mais j'adore. Déjà entendu parler du groupe? Très bien. Pas du tout. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'ai commencé la danse quand j'avais 8 ans et j'ai arrêté quand j'en avais 19, va, je pense. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Femme au foyer? Voilà. Ça tombe très bien qu'il ne comprend pas le français et que du coup, il ne comprendra pas cette vidéo. Mais sinon, oui, voilà, beaucoup devraient avoir un métier... super chaud. Bon, il a son métier, mais moi je le vois bien en femme au foyer, quoi. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non. J'ai essayé maintenant. As-tu déjà gagné une coupe? Une coupe, non. Des médailles, oui, quand je faisais du judo. As-tu déjà pleuré de joie? Oui, quand j'ai rencontré Demi Lovato, j'ai pleuré ma vie. As-tu un quelconque vinyle? Oui, je le vois là, dans cette direction. J'ai le vinyle de l'avant-dernier album de Paramore. Voilà. As-tu un tourne-disque? Non. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui. Qui aimerais-tu voir en concert? Après, ça dépend des gens que j'ai déjà vus que j'aimerais revoir. Oui, Demi Lovato, of course. Et sinon, Green Day encore, voilà. Le dernier album que tu as acheté? Le dernier album que j'ai acheté, c'est celui de Niall Horan, je crois. Il me semble que c'est le dernier que j'ai acheté. T'es chaud ou t'es glacé? T'es chaud, voyons. Nous sommes en hiver, puis le thé chaud, c'est la vie. Thé ou café? Thé, je déteste le café. Rien que l'odeur me dégoûte. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Avec de l'aspartame? Voilà. Hashtag diabétique. Sais-tu bien nager? Je sais nager, quoi. Voilà. Ça suffit, je ne me noie pas quand je suis dans l'eau. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te passer le nez? Oui. Es-tu patiente? Pas du tout. Mais... absolument pas. DJ ou groupe pour un mariage? Moi je dirais un groupe parce que voilà, je trouve ça beaucoup beaucoup mieux. Un DJ c'est ça, puis il te passe la musique, il te fait des petits applaudissons les mariés, hein. Ça m'insupporte. Qu'un groupe, voilà, généralement un groupe parle moi et je trouve ça beaucoup mieux pour un mariage. As-tu déjà gagné un concours? Oui. Eu recours à la chirurgie esthétique? Oui, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur mon opération, je vous la mettrai dans le petit i, comme ça vous pourrez aller la voir. Olive verte ou noire? Olive verte, évidemment. Les noirs c'est... non. Sais-tu coudre ou tricoter? Absolument pas. Enfin, je sais coudre un bouton, voilà, si un bouton tombe, je sais le recoudre, mais c'est tout, faut pas trop m'en demander. Meilleure pièce pour une cheminée? Le salon, évidemment. Veux-tu te marier? Oui, je veux me marier, je vais me marier, bon, pas demain non plus. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je ne suis pas encore mariée. Avais-tu un amoureux en primaire? Oh non, parce que je trouvais les garçons totalement débiles en primaire, donc ça ne m'intéressait absolument pas. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou tu gardes tout pour toi? Généralement, mais devant les gens, je vais tout garder pour moi, et après je vais m'enfermer dans ma chambre et pleurer jusqu'à ce que je me sente mieux. As-tu des enfants? Pas encore. En veux-tu? Ben oui, voilà, j'aimerais en avoir 2 ou 3. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Voilà, le rouge c'est la vie. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui. Regardes-tu Koh-Lanta? J'ai regardé quelques saisons, oui, puis après j'ai laissé tomber puisque... j'étais plus là généralement le vendredi et qu'on ne sait pas le regarder de Londres puisque chaque fois que tu veux regarder même en replay ou quoi sur TF1, ça nous dit que cette vidéo n'est pas accessible depuis notre zone géographique. Donc voilà. Voilà, le tag est terminé, ça a été long. J'espère quand même que ça vous plaira, que ça vous aura appris plus de choses sur moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je me répète. Mettez un pouce bleu, voilà, si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit un plat de licorne dans un monde rempli d'amour. Oui! Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.